Et ça, on peut en être fier. Mais pour réussir, on doit avoir... Alors, nous avons débuté le forum par la présentation d'une vidéo pour démontrer tout le travail qui avait été fait et tous les gains qu'on avait eus au niveau du dossier des patrouilleurs. Nous sommes fiers du support du SFPQ qui nous a conseillé tout au long du processus, qui était d'ailleurs un long processus. Il y a eu des rencontres avec le sous-ministre, ministre des Transports, commission parlementaire. Alors, on a reçu la visite du Mouvement Démocratie Nouvelle qui sont venus nous faire une courte présentation sur la réforme du mode de scrutin, projet de loi qui devrait être déposé le 1er octobre prochain. Et nous sommes venus expliquer aux membres de votre syndicat les enjeux de ce mode de scrutin et son fonctionnement, le fonctionnement d'un mode de scrutin proportionnel, mixte, compensatoire. Alors, sur l'heure du dîner, nous sommes allés avec l'ensemble de la délégation faire une manifestation devant le bureau de la CEPAC en soutien à nos collègues qui sont actuellement en négociation pour la prochaine convention collective. Monsieur Legault, en campagne électorale, qu'est-ce qu'il nous a dit? Des jobs à 30-40 piastres, c'est ça qu'on veut au Québec. Ben, commence dans ta cour, commence avec tes employés. Alors, une bonne partie de la journée a été consacrée à l'élection pour le prochain comité de négociation ouvrier, de même que le comité de stratégie. Alors, tous les postes ont été comblés et ils seront maintenant prêts pour la prochaine négociation. Alors, on a eu des belles échanges, des belles discussions, des belles présentations et tout ça va se poursuivre au prochain forum de novembre prochain.